Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui je vais vous montrer un nid de frelons asiatiques encore dans le sol, dans des arbustes en fait, au niveau du sol. Je vais vous montrer ça, mais aujourd'hui ça va être rigolo parce qu'en fait, dans cette vidéo, le client a envie de voir les frelons de près. Donc je vais lui prêter une combinaison et il va venir traiter les frelons avec moi. D'accord? Donc là, je vais aller vous montrer où est placé le nid. Donc c'est un peu loin de la voiture. Et après, je vais m'habiller avec le client. Et on va aller voir ça, d'accord? Allez, je vous montre le nid. Alors, vous voyez, on est. Vous voyez, des champs de tournesol juste à côté. Ici, on est dans une maison. La maison, elle est tout à fait là-bas, derrière les arbustes, là, avec une petite grange. C'est la campagne. Et le nid de frelons, il est par là. Alors, j'ai essayé de le repérer. Je vais vous le montrer rapidement parce que j'ai pas la tenue. Donc il va avoir une belle attaque, une très très belle attaque, et le client, ben, il est chaud patate pour essayer ça. Donc j'espère que ça va lui plaire, j'espère qu'il va pas avoir trop peur. On va bien se protéger et ben, on va attaquer ce nid. Et allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez Dédé, je suis avec Hervé, le client, qui est courageux. Ben, il est courageux, mais je pense qu'il a vraiment envie de le faire. J'ai vraiment envie d'y aller. Ouais, je vois ça. Hop, c'est là. Ouais. Allez, on va finir de se préparer et on va au combat. Petit like. Allez, c'est parti pour le combat. Ben, vous me suivez, vous allez voir de ça de plus près. Alors, c'était là. Regardez les liens, on va vous montrer ça de plus près. Déjà de l'attaque. Tu peux t'approcher, hein. Tu veux voir de plus près. Là, je vais envoyer le produit. Je te laisse tenir pour voir le produit. Ça va? C'est ouais. Impressionnant, il n'a vraiment pas. T'as vu, on a à peine touché les arbustes. Et en fait, à la base, toi, tu voulais couper. Ouais. Voilà. Bon, mais t'as bien fait de voir le va-et-vient des frelons, alors. T'imagines ce qui t'aurait arrivé si t'avais pas eu la combi? Comment tu réagis en fait? Ça dépend de ta réaction allergique. Donc si tu sens que tu vas t'évanouir, il faut que tu appelles les SAMU. Si tu vomis aussi, pareil, les SAMU. Et après sinon, tu as la pharmacie et demander des cachets. Voilà. Et là, je vais ouvrir le nid un peu, je te laisse tenir la caméra. Donc tu veux voulais voir l'intérieur. T'as les galettes. T'as les, en fait, t'as des rangées de galettes.
et c'est là où il y a les larves et les frelons. Et après, tout ce qui est autour, c'est l'isolation. Et puis, il va faire froid, puis ils vont rajouter des bulles d'air d'isolation, en fait. Et ta nanana, il va rester là ? Non, ils ne réutilisent pas les nids. Ils ne réutilisent pas les nids. C'est toujours... en fait, en fin de saison, les frelons, la fondatrice principale, qu'on appelle la reine, va pondre des futures reines pour l'année d'après, vont être fécondées par des mâles, et partir hiberner dans la terre ou dans les écorces des arbres. Et à partir de là, au printemps, ils vont chacune sortir et fabriquer leur propre nid. C'est là où on piège, ouais. C'est là où on piège. Et en fait, un nid de frelons, ben, c'est entre 50 et 150 futures reines pour l'année d'après. Donc c'est important de les trouver, de les traiter avant le 15 décembre. Allez, là on va laisser. Je vais juste la remettre un petit peu là. Voilà. Et on va se déshabiller loin parce qu'ils vont nous suivre. Tu vois, ils nous suivent encore, donc c'est très important ben, de s'éloigner, de ne pas garer la voiture à côté. Voilà, là ça commence à se calmer. Allez, on va se déshabiller et on vous reprend. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention alors ? C'est impressionnant. Autant on a pu s'approcher du nid, c'était calme. Ouais. Puis dès qu'on a mis les mains dedans, on a été envahis. On était vraiment dans un nuage de frelons. Et voilà, je suis bien content d'avoir vu ça. Ouais. C'était d'après toi, tu penses qu'il y a combien de frelons dedans? Je sais pas, parce que quand on regardait, il y avait toujours 10 ou 15 qui tournaient sur l'entrée. Et là, on était vraiment dans un nid. Là, c'est un nid qui peut contenir jusqu'à peut-être 1000-1500 frelons. Il faut savoir qu'il y en a la moitié qui sont déjà dehors, qui vont rentrer petit à petit dans le nid. Déjà, l'effet d'avoir attaqué, il y en a ceux qui sont pas loin, ils sont venus aider en fait. On les a pas vus. C'est pour ça que quand les gens ils essayent de faire leur propre intervention eux-mêmes, ils ne s'aperçoivent pas qu'il y a d'autres frelons qui vont arriver de derrière en fait. Ouais. Parce que souvent les gens pensent, il y a le trou quand ils sont très accessibles. Il y a le trou, je mets de la bombe à l'intérieur, ouais. Ils n'ont pas le temps de sortir. Mais non, ils ont le temps d'envoyer le signal et les autres ils arrivent. Donc c'est très important. Non, j'y mets pas les mains dedans. Bon, bah, écoutez les Dédés. Bon, c'est flou, hein. C'est flou, ça c'est les venins, c'est normal. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et moi je vous dis à très bientôt les Dédés. Bisous. Quoi, t'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.